Salam aleikum. Oh, salam aleikum. 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 De grands mots tels que l'inorganisation et la pratique incontrôlée des prix de vente des noix d'anacarde ont rendu les producteurs vulnérables vis-à-vis des acheteurs. Conscients de cette situation, les producteurs d'anacarde des départements de l'Atakora Donga ont jugé utile de se mettre en réseau pour constituer une force stratégique. Ainsi naissait l'URCPAAD, entendez, l'Union régionale des coopératives des producteurs d'anacarde, de la Takora et de la Donga. Elle dispose d'organes statutaires, dont l'Assemblée générale et le Conseil d'administration. Elle possède également une équipe technique qui a la lourde charge de coordonner toutes les activités de l'Union. Cette Union a été créée le 24 décembre 2004 à Natitengo. L'USPA, fête régionale des coopératives de producteurs d'anacarde, fédère autour d'elle 10 unions communales, 93 coopératives villageoises de producteurs d'anacarde et 1500 producteurs qui sont membres. Nous avons aussi les usagers de la coopérative. Les usagers ici, c'est ceux, ces producteurs-là qui veulent bénéficier des services de l'Union, mais qui n'ont pas la capacité ou la capacité financière d'adhérer à la coopérative. Ceux-là, on les appelle usagers, mais ils ont besoin des services. On les dénombre à 12 500 producteurs. Après 10 ans d'existence, l'URCPAD a atteint la maturité et se fixe désormais des objectifs clairs. Il faut dire que l'Union a pour objectif de contribuer à l'augmentation des revenus des producteurs à travers, bien sûr, un mécanisme, un dispositif de vente groupée qui a été mis en place par les administrateurs. Augmenter aussi le volume de noix produits dans les départements de la Takora Donga. Pour une production de qualité, l'Union a mis en place un certain nombre de stratégies comme le service entretien, la production des plantes de qualité et le surgreffage des vergers. Aujourd'hui, les services que nous développons à l'endroit de ces coopérateurs, on peut noter dans un premier temps le service entretien. Le service entretien ici, c'est un dispositif que nous avons mis en place en fait qui permet aux producteurs, bien sûr, de bénéficier d'un certain nombre d'une certaine facilité pour l'entretien de leurs vergers. Et à ce niveau-là, l'Union a quand même pensé, dans un premier temps, mettre en place en fait du matériel agricole. Et ceci a été renforcé en fait par aussi un fonds de soutien pour l'entretien des plantations. Nous avions opté à améliorer la productivité de nos vergers. Et pour arriver à ça, il faut quand même qu'on ait du matériel végétal de qualité et que les producteurs pourront utiliser en fait pour mieux installer les vergers. Et pour le faire, puisque les producteurs ne sont pas des pépiniéristes, il y a des spécialistes qui produisent des plants, on a mis en place un dispositif, un réseau de pépiniéristes qui travaillent et avec qui nous travaillons en collaboration, qui produisent alors des plants de qualité qu'on met à la disposition des producteurs. Il y a un élément très important que nous sommes en train d'expérimenter dans la Takora Donga, qui est le surgreffage des vergers. Donc cela, c'est magnifique. Je vous dis, c'est très très magnifique. Déjà, pendant un an, on a la floraison sur le greffage pendant un an. Or, on fait ça sur les arbres qui ne produisent pas.
Le miracle est que ces arbres-là qui ne produisaient pas aujourd'hui avec cette technique, on a les fruits. L'URCPA ne compte pas s'arrêter là. Un programme de production bio est actuellement en cours d'expérimentation. Nous avons travaillé autour de l'ANACAP biologique. Aujourd'hui, nous avons le certificat bio. Ce travail a été fait sur une commune à tête d'essai. Nous l'avons expérimenté sur la commune de Coindé, où nous avons certifié un certain nombre de producteurs. Actuellement, le certificat que nous avons eu, c'est sur 108 tonnes de noix d'ANACAP pour 127 producteurs. Le processus continue, nous allons l'effectuer pour la campagne. Nous allons continuer, bien sûr, pour la campagne prochaine. L'organe de certification, bien sûr, qui a certifié l'Union, c'est CRS. CRS qui est un organe de certification qui est basé en Allemagne. En production biologique, la traçabilité est très, très importante. C'est pourquoi, par rapport aux zones, nous avons une codification. Par rapport aux producteurs, nous avons aussi un code producteur. Le code fournisseur qui est un code du producteur et maintenant le numéro de livraison. Parce que le ramassage se fait périodiquement et chaque fois que le producteur arrive à réunir ses noix après avoir suivi l'itinéraire technique, il peut venir à la vente de ses noix. Grâce à sa stratégie d'intervention, l'URCPAD rencontre beaucoup de succès dans la commercialisation de ses produits. Nous avions compris en fait qu'il y a un autre service qu'il faut créer pour permettre aux producteurs de régler un certain nombre de couleurs. C'est en fait la précollecte. C'est une opération qui consiste à regrouper les noix des producteurs avant le lancement de la campagne pour éviter surtout le bradage au sein des villages. Et l'URCPA, dans ses mécanismes, a adopté un système de financement avec partenariat avec la CECAM et permettant de bénéficier des fonds dans les coopératives pour faire ce regroupement. Nous avions en 2011 échangé bien sûr avec la CTB et aussi avec AFDI, auprès de qui nous avons négocié des fonds de roulement à hauteur de 20 800 pour les deux partenaires, donc 10 800 avec la CTB et 10 millions avec AFDI. Alors, ce fonds de roulement, l'idée c'est d'utiliser en fait ce fonds de roulement pour développer un dispositif. Et aussi utiliser ce fonds de roulement pour en fait faire la cour aux institutions de microfinance ou aux banques pour lever en fait des crédits nous permettant bien sûr de répondre intégralement aux besoins des producteurs. Ce financement est fait à compte-gouttes. Ce n'est pas l'ensemble du crédit que les producteurs prennent à la CECAM. C'est tout ceci pour garantir le paiement. Et la première tranche est versée, est retirée par un déblocage des membres CECAM à la présence du gérant comptable, moi, qui suis ici, et par aussi la présence du bureau exécutif, des coopératives, des CVPA. Et cette première tranche est de 30% du crédit octroyé. Quand les producteurs vont à la CELCAM pour recevoir les sous, donc arrivés à la maison maintenant, les membres de la coopérative amènent leurs noix. Donc il y a une équipe d'achat qui est mise en place. Donc l'équipe, il y a également une équipe de pesée qui est là. Donc, et le secrétaire, lui, il délivre le reçu. Donc, le producteur qui a amené ses noix prend le reçu et se dirige vers le trésorier qui paye
intéressés. Cette première étape permet de mobiliser une quantité importante de noix afin de stabiliser le prix pour la seconde étape. Au nombre des services que nous avons développés, nous avons aussi le service actuellement le plus aboutissant, qui a fédéré plus quand même les producteurs, c'est le service vente groupée. La vente groupée dans la commune, on l'a organisée parce qu'on s'était vu avec les collecteurs, les acheteurs, tout le monde, chaque fois on dit le prix acheté. Et nous, on n'a pas compris. Comment se fait-il qu'ils font les chargements, ils vont à Cotonou et ils reviennent et disent le prix a chuté. D'où on a pris l'idée de s'organiser, de se mettre en groupe et pouvoir mobiliser nos graines et chercher un acheteur avec qui on peut discuter. La vente groupée, c'est l'opération en fait, qui permet aux producteurs de mettre leurs récoltes ensemble et le vendre à une même date ou à une même période ou à un même lieu. Se définit quand même à quel moment on veut vendre nos récoltes et à quel prix. Et ça, ces avantages, bien sûr, ils arrivent quand même à avoir quand même un plus en matière de prix de vente. À comparer aux autres acheteurs ou aux autres producteurs pardon, qui vendent leur noix aux acheteurs ambulants. Donc, le producteur qui passe par la coopérative, par la vente groupée, a un plus. La marge de prix entre les deux producteurs est d'environ 10 francs. Par kilogramme, la moyenne, c'est de 10 francs de différence. Salam aleykoum. Oh, salam aleykoum. Salam aleykoum. Pour une meilleure rentabilité des plantations, l'URCPA a installé des ruches dans les vergers. Elle a aussi entrepris avec les groupements de femmes la transformation des pommes de l'anarcarde en jus. On s'est rendu compte aussi que si nous voulons accroître le revenu des producteurs, il faut quand même, faut pas seulement se focaliser sur la noix, mais plutôt voir comment valoriser la pomme. Alors nous transformons la pomme et aujourd'hui, on se rend compte quand même aussi que c'est une porte de sortie pour permettre aux producteurs d'augmenter. Et non seulement qu'ils vendront la noix, ils vendront aussi la pomme. Pour transformer la pomme de l'anacade, nous allons au champ le même jour pour ramasser ce qui est tombé. On ramène à la maison, on lave et on rince à 3 étapes de rincement. Après avoir fini de rincer, on enlève les déchets et on presse à la main. Après avoir obtenu le jus pressé, on la tamise. On prépare une bouillie de tapioca qu'on verse dans l'eau tamisée et on remue. On laisse décanter pendant 20 minutes. Après 20 minutes, on enlève le jus qu'on réchauffe au feu et on décharge, on ramène pour remettre dans les bouteilles. Les analyses nous montrent que si nous installons les ruches dans les plantations, vraiment, ça va quand même améliorer le rendement de la production des plantations. Donc ceci, nous avons eu un espace de financement à travers des partenaires. Nous avons aussi essayé d'installer ces ruches dans les plantations. Là, nous avons un double intérêt. Après que les arbres vont produire correctement, les ruches, si nous retirons le miel, on va aussi encore vendre plus cher et bon. Et là, vous allez voir que bon, nous avons et les ressources des produits récoltés et les ressources des produits du miel récolté.
konko wate sa to maran kwan kama La structuration et le professionnalisme sont aujourd'hui les atouts de l'Union, de même que les formations et l'appui des partenaires techniques et financiers. L'autre service aussi qui va directement à l'endroit des producteurs, c'est le renforcement des capacités sur les bonnes pratiques culturelles. Il faut dire qu'il y a des formations qui sont données aux producteurs, aux responsables des OP sur la gestion administrative financière, les questions de relations et des salariés, et aussi des outils de communication pour faciliter la circulation de l'information en leur sein. Depuis quelques années, je pense que les producteurs de la région Atakora-Donga bénéficient de plusieurs formations, notamment les formations sur l'entretien, les bonnes pratiques d'entretien et de gestion des plantations, et les bonnes pratiques de récolte et de post-récolte, la gestion des coopératives, la bonne gouvernance au sein des coopératives et un peu. L'objectif, c'est d'amener le producteur en un premier temps à accroître le rendement au niveau de sa plantation et de là, il pourra avoir ses revenus augmentés. Aujourd'hui, au sein de l'Union, déjà février 2013, l'Union régionale s'est conformée entièrement à l'acte uniforme. Puis après, nous avons travaillé aussi avec les coopératives à la base pour mettre en conformité les textes fondamentaux, conformément, bien sûr, à l'acte uniforme de l'OAD. Tout ce travail est possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. L'appui que nous apportons à l'Union régionale des coopératives de producteurs d'Anakar en tant qu'organisation de producteurs, on peut la situer donc à trois niveaux. Le premier niveau, c'est tout ce qui touche à la structuration de l'Union régionale des producteurs d'Anakar en tant qu'organisation régionale. Le second niveau traite de tout ce qui est le fonctionnement même de l'URCPA en tant qu'organisation de producteurs. Et dans le troisième aspect qui est un des plus importants, c'est tout ce qui touche à la fourniture de services par l'IRPA en direction de ses membres. La GIZ a toujours appuyé l'IRCPA à travers le renforcement des capacités techniques des acteurs de cette filière. Et donc, en termes d'appui, des appuis matériels, en termes de formation ont été accordés à cette fêtière régionale. Grâce au travail que nous avons mené avec l'Union, on a quand même aujourd'hui en face de nous une organisation qui est non seulement plus crédible aux yeux de ses partenaires, mais je pense aussi qu'il est assez représentatif. C'est ce qui représente l'URCPA. C'est vraiment des personnes qui ont été élues de manière transparente et ils ont le mandat de représenter légitimement leur organisation. Ça, c'est un. Deuxièmement, en termes de crédibilité par rapport aux partenaires, l'URCPA s'est quand même beaucoup renforcé. Et en termes de fourniture de services, la situation de 2011, année à laquelle nous avons commencé à travailler avec l'IRCPA dans le cadre de Fafa Atakora-Donga, s'est sensiblement améliorée. L'IRCPA fournit aujourd'hui des services et est en train d'aller vers les institutions financières pour améliorer la qualité de ses services en direction de ses membres. Et c'est aussi reconnu par les membres eux-mêmes que l'Union est là et leur fournit les services qu'il faut sur tout ce qui est appui conseil, mais aussi sur tout ce qui est mise en marché des produits, qui est quelque chose qui est très important dans la filière Anakar. Ces résultats
ont été enregistrés grâce au niveau de structuration de cette union. On est chargé d'accompagner les différents acteurs intervenant dans le secteur agricole au niveau de la région de l'Atakura-Donga. Et entre autres acteurs importants, nous avions l'Union régionale des coopératives des producteurs d'Anakad. Et avec cette union, nous sommes en étroite collaboration. Et le CARDE Atakura, à travers une de ses directions techniques, la TIFAOP, accompagne l'URCPA dans toutes ses actions. Nous constatons que par rapport aux plantations d'Anakad, par rapport à la commercialisation des noix d'Anakad, avec l'appui de la structure fêtière de l'Union, les producteurs se sentent maintenant encadrés et ils améliorent leur production. Et au niveau de la commercialisation des noix d'acajou, on sent qu'effectivement il y a une amélioration, il y a une augmentation de tonnage d'anacade produit commercialisé au niveau des départements de l'Atakura et la Tonga. Nous allons les accompagner pour que ceux qui n'étaient pas structurés puissent rentrer dans ces coopératives-là au niveau des communes pour que effectivement les actions soient visibles et les actions soient au profit des producteurs. C'est notre objectif, la recherche d'améliorer le revenu des producteurs. Et je crois qu'avec l'USCPA, je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Au moment où il n'y avait pas l'union, on n'avait pas ces joyeuses infrastructures. Maintenant, grâce à l'appui des partenaires, tels que dans le vieux temps, Pamourad, aujourd'hui entendait Fafa, demain, on parlera de programme d'agriculture CTB. Donc, ça, grâce à eux, aujourd'hui, on est en train de faire ce petit effort que vous voyez, ces magasins, ces instruments, ces documents de commercialisation, à savoir les bascules que vous voyez et les sacs de jute. C'est la qualité qui fait le bon prix aux producteurs. Je peux vous rassurer que grâce aux appuis de ces partenaires, nous avions pu améliorer un tant soit peu la qualité de nos noix à travers les itinéraires techniques, les formations sur les bonnes pratiques, etc. De nobles ambitions et quelques défis à relever, telles sont les perspectives de l'URCPA. Nous tenons à travailler bien sûr autour de la commercialisation, construire des infrastructures de stockage et poursuivre les sentiers. On veut parler de la transformation de la carte biologique et aussi poursuivre le processus d'immatriculation et travailler pour bien sûr fidéliser les adhérents et fidéliser aussi les clients avec qui nous travaillons. Et puis voir dans quelle mesure, bien sûr, renforcer la collaboration avec les institutions de microfinance.
À terme, l'Union régionale des coopératives de producteurs de l'Anarcave des départements de l'Atakora, Donga, entend stabiliser sa structure, contrôler entièrement la commercialisation de ses produits et compter dans ses rangs 80% des producteurs de la région. Now we're not.